Je pense que bon, il y avait un peu de déception parce que on était encore à une dizaine de minutes de gagner ce match, mais on va pas se mentir, aujourd'hui on est tombé face à une belle équipe de Monaco. On a quand même subi tout au long du match. Bon, on leur a mis une grosse pression d'entrée de deuxième mi-temps, mais sur l'ensemble du match, on peut être quand même très heureux de prendre un point. Moi, je sais pas, c'est une mauvaise habitude. Après, contre Monaco, voilà, on savait très bien que derrière ça allait être dur, qu'ils allaient pousser, et on a tenu le coup, on a quand même été costaud. Comme j'ai dit à la fin au mec dans le vestiaire, on peut être déçu parce qu'on était proche encore de peut-être gagner ce match, mais aujourd'hui c'est un point qui va être très important et qui va faire du bien pour la suite. Il faut qu'on se serve de cette mentalité aujourd'hui où on s'est battu les uns pour les autres, où on a été costaud pour la suite de la saison, et c'est ce qui nous permettra de s'en sortir. Moi, je pense qu'aujourd'hui on n'est plus dans le. On n'est plus là pour faire du beau football. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, moi, j'en ai plus rien à faire d'être beau, élégant sur le terrain. Moi, je veux juste des points. Je veux juste me maintenir. C'est le plus important. Donc, si on doit gagner en souffrant, ben, à la fin, tout le monde sera heureux. C'est un point qui, comme j'ai dit, qui va nous servir pour la suite, qui faut que ça nous donne beaucoup de confiance et que ça nous freine, et que ça nous motive dans le sens où, comme je l'ai dit, si on se bat les uns pour les autres et qu'on a cette mentalité-là, ben, on prendra d'autres points, ça c'est une certitude jusqu'à la fin de la saison, et c'est ce qui nous servira clairement pour se maintenir.